Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va tester Private Firewall. Donc Private Firewall, c'est un pare-feu compris avec un IPS. Alors vous remarquez aussi que je tombe sur un nouveau Windows. C'est Windows 7 professionnel sans aéro, vu que j'ai mis que 2 Go à la machine virtuelle, sinon j'allais laguer. Donc je propose l'installation de Private Firewall. Donc je vais le glacer. Alors, donc Private Firewall, c'est un pare-feu que je ne connais pas. Enfin, je l'ai essayé en solo. Il est assez prometteur, hein. Donc, c'est le membre Québec Power de Infomars qui l'a demandé. Donc, un petit coucou à lui. Donc, on va l'installer. Donc, j'ai pris quelques URL, mais j'en ai des fois pas pris 20. Alors, install IDE Vault Free Edition. On va quand même le mettre. Je ne sais pas à quoi ça sert, vu que je ne connais pas ce pare-feu. Donc c'est un pare-feu compris avec un IPS. On va voir ce qui se passe, hein. Donc là, le logiciel va s'installer. Donc je vais faire une courte pause. En attendant son installation, je vous reprends dès que cela a terminé. À tout de suite. Donc le programme a terminé et il faut redémarrer la machine. Ce qu'on va faire, vu que tous les pare-feux d'habitude, il faut rebooter l'ordinateur. Donc on reboot. Donc là la machine est en train de redémarrer. Il n'y a pas de problème. Donc pendant le redémarrage, je vais faire une petite pause et je vous reprends. À tout de suite. Heureux, donc la machine virtuelle est en train de démarrer. Alors, donc on a déjà un message là de Private Firewall. Ah, c'est l'interface. Ok, bon, elle se met déjà en premier. Alors, le saviez-vous? Ah, ouais, mais ça c'est moi. Hein. Toi et toi. Alors, donc là, où le saviez-vous? On s'en fiche. Alors, est-ce qu'il y a une calculateur? Non, c'est pas prêt. Bon. Donc voici l'interface du programme, hein, qui s'est mis en premier bon, en premier. Hein. Alors donc là c'est la sécurité sur Internet. Donc c'est recommandé, ok. C'est par défaut, il est mis sur haut. La sécurité du réseau. Donc partager fichiers, etc. RSIP, recommandé. Si votre réseau est sécurisé. Et si vous partagez ici, vous faites le partage d'écran. Donc là, il est sur faible. Ok. Les applications. Donc, avec les filtres. Process Monitor. Donc, c'est le processus. Sur Medium. Bien sûr, de la pub. C'est à qu'à faire. Alors, je vais mettre ça ici. Et ça ici, voilà le log, donc ce qui s'est passé, et le port et le tracking de port, donc tous les logiciels qui s'est connecté à Internet. Alors, on va mettre par défaut les réglages. Donc je vais mettre en mode standard. Array, ok, je suis pas fort en anglais. Chemin, ouais, ok. Enfin, je touche à rien, moi, je laisse tout. Un défaut. Process détection. Training. Training, c'est le mode apprentissage. Hein. Donc, je ne mets pas. Normalie détection, ok. Ouais, ok. Bon. Je suis pas fort anglais, donc je laisse. Le site. Office proxy. D'accord, c'est pareil. Robot profil. D'accord. Bon. Donc ça c'est simple. Alors, à détecter un nouveau réseau. Ouais. Bon, donc je vais pas trop m'attarder sur l'interface vu que je ne connais pas l'anglais. Alors là on a où mettre l'interface, des réglages. Le mode apprentissage, normalement c'est risqué le mode apprentissage mon petit. C'est ça que je l'ai désactivé. Tour autorisé, filtrer trafic, bloquer le trafic. Les abous, l'aide et quitter. Ok. Bon.
Alors, les URL, j'en ai pas pris beaucoup, donc je fais que les URL vu que s'il n'y a pas d'antivirus, il n'y a pas d'antivirus sur ce logiciel, c'est juste un portefeuille à IPS, une protection d'identité avec IDVault. Alors, donc c'est Internet Explorer 8, j'ai pas encore mis le 9, peut-être je le mettrai, je sais pas, je verrai. J'ai oublié aussi de désactiver Windows Defender. Alors, allez, il n'y a pas d'antivirus, hein. Alors, je disais que j'ai oublié de désactiver Windows Defender. On va faire ça tout de suite. Alors, hop. Alors, Windows Defender. C'est l'anti-spyware de Microsoft. Je vais le couper. Voilà. Windows Defender est désactivé. Ah, c'est mieux. Une menace Alors, on va a été commencer. détectée. Hop, on y va. Première URL. Alors, je l'exécute. Et ça prend un peu son temps. Alors, un peu de temps quand même, le petit. Une menace a été détectée. Et zut. Bon. Désolé. C'est mon antivirus qui a régulé. Je vais couper. Hop, voilà, ça c'est fait, ça, hop, voilà, ouais, ça aussi, oui, je sais, j'utilise Avast, voilà, maintenant on va être tranquille, allez, on reprend, j'en mets l'URL, exécute, on exécute, alors, mémoire. Apparemment, il s'est lancé. Ah, ce sera mieux. Alors, il est lancé. Private, ça n'a rien dit. Ok. Bon. Apparemment, il s'est exécuté là. Connexion au site, truc. Donc je note pas les URL vu que c'est pas un antivirus. Bon, est-ce que Privat est toujours là? Oui, c'est bon. Apparemment l'URL est morte. Là c'est l'adresse IP, je sais pas si ça va aller. Oui, c'est bon. Exécute. Ah! Process Monitor. Alors, donc... Oh! C'est toi, toi. Alors, activité, un logiciel a été bloqué. Pour bloquer l'application, faites bloquer pour ignorer cette alerte. Si vous connaissez ce programme, faire autoriser. Ok, donc là, là en plus j'ai un compte à rebours, hein. Je vais faire bloquer. Le programme n'ira pas plus loin, le petit. Ouais. D'accord. Donc là, le programme pourra pas faire ce qu'il a envie. Ok. Ouais. Alors, continue. On l'exécute. Il exécute. Alors là, pareil. Process Monitor. Le bloc. Alors, vu que je sais qu'il va me capturer toutes mes URL comme ça, je vais faire en fait le mec qui éternue et qui fait sans faire gaffe autoriser pour voir s'il rattrape les erreurs. Alors là, celui-là, c'était l'ancien. Ah! Là, pas. Ah! Alors là, regardez, je suis le mec qui est éternu. Ah! Oh, ça va mieux. Donc là, il alerte pour le pare-feu. Donc là, par contre, je bloque. Voilà. Donc là, on peut quand même installer le truc. Truc chinois. Ok, on le lance. D'accord, il peut pas. Tant pis.
Tant pis coco. Alors ça c'est un antiware. Donc là par contre je vais faire le noob. Si on a l'alerte en vol. Voilà. Oula, je fais quoi? Oups! Merde! Voilà. Admettons une fois que vous savez pas quoi faire, vous autorisez. Ça peut arriver, hein. Donc là, par contre, Miss Pop, il est là. Là, par contre. Ah ouais, mais programme, je connais pas. Bloqué. Voilà. Par contre, il reste en mémoire, hein. Non, il part. Non, il est toujours là. Bon. Avec l'autre programme aussi, que je vais lancer. C'est juste pour voir, en fait, si le logiciel rattrapait les erreurs, si on répondait mal. Donc là, je bloque. Ah, ça marche pas. Je bloque. Par contre, il réagit bien quand même. Donc là, s'il n'y a pas d'erreur, il réagit très bien. Alors je lance. Ah, apparemment, celui-là, je peux l'installer. Oui, je vais installer les trucs. Hein. Allez, on va y aller. Par contre, soit je bloque. Ah bah il s'en fait quand même. C'est un travailleur rebelle celui-là. Ah, il est rebelle hein. Lancer. Site. Ça ne sera rien, d'accord. Alors, un cheval 2-3. Prochant pour la route. Hein. J'en peux la route. Alors je l'exécute. Il insiste le petit. Bien sûr, si quand on bloque, ça ne supprime pas de l'ordinateur. Hein. Je précise. Ça stoppe juste le logiciel. Mais ça l'enlève pas du PC. Hein. Ah. Donc là, l'UAC. Bon, ça va, il est capturé après. Je peux quand même l'installer, d'accord. Mais il n'y a pas plus loin. Là, le logiciel il a figé. Alors je continue. On lance. Capture et vol. Pas planté, petit. Avec une erreur. Ça c'est un trojan pour Mountain. Je me teins. Error log. On va l'échapper. La E1, tiens. Un Troyen E1. Bon, c'est bien ça, qui fait la E1. Mais c'est pas la E1. Ah si, c'est super cool. Les voitures. La Troyen fait la E1 dans le PC, voilà. Ah, il n'ira pas faire la E1 ici alors. Va, tu vas lui interdire. Alors, icône, ok. Je lance. Hop. Ah. Donc là, 3-1 qui passe. Un 3-1 chinois. Là, en mémoire. On a quand même les processus en mémoire. Hein. Je précise, on a encore les processus, certains processus qui sont en mémoire. Et ils peuvent juste pas faire l'action, c'est tout. Ça. Ok. Alors. Ça. Put. Méchant. Hop. Là. Sécurité. Par contre, celui-là est passé. Alors c'est un petit c'est un logiciel Nearsoft, donc c'est pas dangereux. Je savais pas que c'était un programme Nearsoft. Et le dernier, un petit FaceMood. C'est un spyware Facebook. Enfin normalement. Ah. Donc FaceMood, je le connais bien parce que j'ai déjà vu
installé sur des PC alors que c'est une LPI. Une connerie. Donc là par contre j'installe Facemode, hein, parce que c'est génial Facemode. Alors, et voilà, Facemode est installé. Tranquille. Et Privat il n'a rien dit. Ok, donc là c'est la fin des URL. Bon, je peux pas aller plus loin vu que c'est juste un cas par feu. Hein. Alors, donc, bon bah Privat, vu l'ensemble, vous pouvez l'installer, mais il vaudrait mieux que c'est le mettre en complément avec un antivirus, etc. Par contre, je veux quand même faire un truc. Je voudrais juste tester. Ah, il protège pas même pas le détournement de navigateur. Hein. Alors, je voudrais juste faire un truc. Est-ce qu'il détecte zéro accès? Ah, toi, tu m'énerves. Je veux juste voir en fait s'il détecte les actions de zéro accès. Donc, ça, par contre, je veux juste vérifier. Voir en face si Privat en fait sera protégé contre 0 accès. On sait jamais, hein, certains persos le font. Par exemple Komodo. Komodo par contre il protège de 0 accès. Je vais voir en fait si lui il le fait aussi comme Komodo. Alors je le lance. Apparemment. Ouais, c'est bon, il détecte. Ça, il le bloque. Alors, il est juste en mémoire, mais il peut pas s'installer. Donc, Private Firewall me protège aussi de zéro accès. Alors, mon point de vue. Alors, bon, déjà, c'est un pare-feu qui est même intéressant. Donc, vous pouvez le prendre, mais je vous conseille mieux, c'est le. De le coupler avec un antivirus, ça serait bien. Parce que tout seul, ils surveillent. Mais les programmes sont toujours là. Ils sont toujours en mémoire alors qu'ils sont bloqués. Donc c'est bien. Bon, ils sont toujours là. Bah, je vous conseille quand même de mettre avec un antivirus. Si jamais vous faites une fois une faute, votre système est mort. Enfin, il peut rattraper, mais si vous faites que des fautes, votre système après un moment, il est mort. Donc, bon, bah, c'est un bon pare-feu quand même. Hein. Mais il vaut mieux, c'est de complémenter avec un antivirus. Voilà. Alors, merci d'avoir vu ma vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!